Donc, je suis Marilyn, je suis la maman de Paolo, qui a aujourd'hui 17 ans. Donc, on va vous parler de l'arthrite chronique juvénile. Donc, Paolo, sa maladie a été diagnostiquée, il avait 19 mois, donc ça fait maintenant un petit peu plus de 15 ans. Ça a commencé par une forme en fait très sévère, avec beaucoup de fièvre, des courbatures. Des maux de tête très importants, une éruption de boutons au bout de quelques jours. Et en fait, donc il a été hospitalisé et au bout de 3 semaines d'hospitalisation, le diagnostic a été posé, donc à l'hôpital Nord de Marseille, puisque nous sommes dans le sud de la France. Et donc, il a été diagnostiqué une maladie de Still, qui correspond à une arthrite chronique juvénile de forme systémique avec une forme très grave, puisque Paolo avait toutes les articulations d'atteinte. Donc, après ce diagnostic posé, a commencé donc la mise en place de différents traitements. Donc, ces traitements bon, sont les plus connus sous cette forme de maladie, c'est la corticothérapie. Donc, on a commencé par de fortes doses de cortisone couplées à du méthotrexate. Et ensuite, voyant que le méthotrexate ne faisait pas effet, nous sommes restés sur de fortes doses de cortisone. Et donc, s'en sont suivis, on va dire, toutes sortes d'effets secondaires, bien évidemment, comme on connaît sur la corticothérapie. Donc, ensuite, Paolo a eu la chance à Marseille d'avoir des médecins qui étaient, on va dire, très au fait de cette maladie, en contact avec Paris à l'hôpital Necker. Et donc, du coup, ils nous ont proposé de rentrer dans un protocole clinique à l'âge de ses 3 ans. Donc, ça a été le plus jeune patient à être introduit dans un protocole clinique. Et donc, en association avec Paris Necker et avec les hôpitaux de Lyon, puisqu'en fait, c'était plus commode pour nous, en étant sur Marseille, d'aller faire ce protocole clinique à Lyon, parce qu'il fallait qu'on monte pour une journée complète. Donc, faire les allers-retours sur Paris, c'était compliqué. Donc, on a décidé d'être suivi à Lyon. Et donc, en fait, Paolo a pu bénéficier de cette étude clinique. Et grâce au Kinéret, on a pu baisser la corticothérapie, mais pas suffisamment pour qu'il soit sevré, malheureusement. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que comme il avait une forme sévère, il a eu beaucoup d'articulations touchées. Donc, il a eu différentes infiltrations dans les genoux, dans les hanches. Il a eu pas mal d'appareillages aussi pour les poignets, de séances de kiné, un corset pour le dos, parce que malheureusement, la corticothérapie avait également abîmé le dos. Donc, du coup, s'en sont suivis toutes sortes, on va dire, de protocoles et de traitements. Et malheureusement, vers ses 8 ans et demi, il a fait ce qu'on appelle un échappement au Kinéret. Donc, le Kinéret ne marchait plus. On ne pouvait plus baisser la corticothérapie. Il a eu de nouveau une poussée inflammatoire. Et là, on a bénéficié d'un autre traitement qui est le tolicizumab, le Roactemra. Donc là, en fait, c'était sous forme d'injection en intraveineux. Ce n'était plus des piqûres, on va dire, sous-cutanées qu'on pouvait faire nous-mêmes. Donc là, ça demandait une hospitalisation de jour. Au début, tous les 15 jours, ensuite tous les mois. Et ensuite, comme ça a commencé à faire son effet, on a pu espacer les cures de Roactemra tous les mois et après tous les 3 mois jusqu'au sevrage. Et donc, en fait, on a pu diminuer et arrêter complètement la corticothérapie. Et depuis juin 2015, Paolo est en rémission de sa maladie, ne prend plus aucun traitement, on va dire, pour l'arthrite chronique juvénile. Paolo est l'aîné de nos enfants. Donc, du coup, on n'avait que quand Paolo il est tombé malade, comme il est tombé malade petit, on n'avait que lui à gérer à l'époque. Donc, on va dire qu'on a pu concentrer toutes nos forces, son papa et moi, sur lui. On a été très entourés par notre famille, par nos parents, par nos frères. Donc, on avait tout un staff autour de lui qui a pu nous aider, et ça, c'était bien. Les médecins, on va dire qu'on a eu de la chance de tomber à Marseille sur des médecins qui nous ont beaucoup entourés, qui étaient très disponibles pour nous. Donc ça, on va dire que c'était aussi un plus. Aujourd'hui, Paolo fait partie des enfants qui ont eu cette maladie, qui ont pu bénéficier de nouvelles thérapies, de nouvelles biothérapies. Et grâce à ces nouvelles biothérapies, ben, Paolo, aujourd'hui, on peut dire, est en rémission de sa maladie, quoi. Donc c'est aussi pour ce témoignage, il est aussi pour montrer en fait que grâce aux nouveaux traitements et aux nouvelles thérapies qui existent, au protocole clinique, on peut bénéficier, il y a des médecins qui ont une bonne connaissance de cette maladie,
on a pu effectivement rentrer dans ce cas de figure où aujourd'hui, ben, il est en rémission. Alors, il est en rémission de sa maladie, mais malheureusement, on va dire, du fait de la corticothérapie qui a été quand même longue et intense, et la maladie qui a quand même eu de grosses poussées inflammatoires, il a eu des articulations qui ont été très touchées, et malheureusement au niveau des hanches. Donc, il a une prothèse de hanche droite totale depuis l'âge de 14 ans. Donc, il y a quand même, comment dire, des effets collatéraux de la maladie qui, malheureusement, aujourd'hui, continuent à l'embêter dans sa vie quotidienne, on va dire. Voilà. Vu comme ma hanche droite, elle est réparée, je dirais que c'est la hanche gauche, où notamment après certaines activités sportives, ça se coince, ça tire beaucoup. Après, le cou aussi, beaucoup de mal à pencher la tête du côté gauche. J'ai toujours tendance à pencher la tête du côté droit, parce que je ne sais pas pourquoi, mais les cervicales ont dû prendre une mauvaise habitude. Après les poignets, notamment parce que je fais du karting, c'est ma passion depuis que je suis tout petit. Donc je fais du karting en compétition. Notamment au karting, c'est les poignets le problème. J'ai pas beaucoup de force dans les poignets. Par exemple, dans les lignes droites, je suis obligé de relâcher un peu le volant pour décontracter les muscles et pour redonner de la tonicité après pour les virages. Ce qui m'embête le plus en ce moment, je dirais que c'est la hanche gauche, les cervicales et les poignets. La maladie n'a pas impacté du tout les résultats. Mis à part l'année où j'ai dû subir mon intervention pour un protège de hanche à droite, j'ai raté un mois et demi d'école. C'est en fin Mais d'année. c'était en fin d'année et j'ai rattrapé à la maison. Je faisais les cours à l'après-midi quand j'allais le matin à la rééducation. Donc, ça n'a pas vraiment eu d'impact sur la scolarité. J'ai toujours suivi comme tout le monde. À l'école, au primaire, c'était compliqué de faire du sport. Ce qui m'embêtait le plus, c'était de regarder les autres faire du sport. Parce que moi, j'adore faire du sport. Et il y en avait certains qui se plaignaient, qui n'aimaient pas le sport et qui ne voulaient pas en faire. Et moi, je leur disais toujours, bah, oui, mais vous avez au moins la chance d'en faire. Donc, du coup, je l'avais un peu mauvaise quand j'étais petit. Après, au collège, je suis allé faire du sport parce que j'avais envie de faire du sport et les médecins, ils ont donné le feu vert. Donc, du coup, ben, j'y suis allé. Et puis, moi, vu comme j'adore le sport, c'est vraiment, pour moi, c'est une libération le sport. J'ai fait du tir au pistolet pendant 7 ans. J'ai été 2 fois au championnat de France. Après, en dehors des activités scolaires, j'ai fait aussi de la musculation, du karting et beaucoup de vélo aussi. Perspectives d'avenir, ben, si j'avais pas eu ma maladie, j'aurais vraiment voulu être pilote automobile, c'est mon rêve. Vu comme j'ai eu ma maladie, ça m'a ralenti pour faire du karting. J'ai commencé plus tard. Je pense que j'aurais moins de chance, mais j'ai envie de m'y accrocher. Donc j'aimerais bien être pilote automobile, bien évidemment.